Tout cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. Que pour moi, Jésus est mort. Mais Dieu et sa parole ne passent pas. Amen.
Que toute la gloire te revienne. Nous voulons nourrir nos âmes. Seigneur, nous avons prié, nous avons intercédé, tu nous as écoutés. Seigneur, il est moment, il est temps maintenant, Seigneur, que nous puissions nourrir notre âme. Car il est écrit que l'homme ne vit pas tout simplement de pain, mais de toutes paroles qui sont de ta bouche. Parle à ton peuple, parle-nous, Seigneur, je t'en supplie. Saint-Esprit, enseigne par excellence. Enseigne-nous encore ta parole. Libère l'onction de la parole, la puissance de la parole, que ta parole impacte des vies, que ta parole libère des vies dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne glorifie pas ton Seigneur en ce moment, l'opposition à la parole de Dieu, l'esprit qui amène les doutes, l'incompréhension, les pensées ailleurs, au nom de Jésus-Christ, que cet esprit commence à plier bagage et aller là où il n'y a pas de vie. La gloire, Père, te revient dans le nom de Jésus. Utilise-moi, Saint-Esprit. Il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole du Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom de Jésus. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Salut la personne qui a été écoutée. Bénissez la personne qui a été écoutée. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit lui. Amen. Est-ce que tout va bien? Nous continuons sur la puissance de la prière. Alléluia. Nous continuons sur la puissance de la prière. Il sera pour toi impossible de ressembler à Jésus-Christ, à ressembler à son caractère, sans chercher à ressembler d'abord à sa vie de prière. Il sera compliqué, difficile pour toi de vouloir ressembler au caractère de Christ, imiter son caractère si, hein, à la base, tu ne cherches pas à imiter sa vie de prière. Alléluia. Amen. Il y a de la puissance dans la prière. Amen. Dieu agit quand nous prions. Amen. Amen, amen, amen. La puissance n'est pas tout simplement qu'il est libéré, bien aimé, que ce n'est pas ta prière qui libère la puissance, mais Dieu qui libère sa puissance parce que toi tu en es de prier. Amen. La Bible dit que demander, il vous sera donné. Amen. Un enfant de Dieu qui ne demande rien n'aura rien. Amen. C'est vrai qu'il y a des choses que tu vas bénéficier. Il y a des choses que Dieu donne à tout le monde, à toute la création. La Bible dit qu'il fait pleuvoir pour les bons et pour les méchants. Ça, Dieu le donne à tout le monde. Amen. Mais il y a des choses, bien aimées, si tu veux posséder, tu vas commencer à demander. Amen. C'est très important. Et nous voyons combien le diable est en train, bien aimé, de mettre de côté. Le diable est en train d'affaiblir l'église, d'affaiblir les chrétiens dans la prière. Le diable nous amène, bien aimé, à ôter de l'importance à la prière. Le diable amène le peuple de Dieu dans la distraction. Juste pour oublier la prière. Avec les enseignements qui circulent, n'écoute que Jésus a déjà tout accompli. Nous n'avons plus rien à faire. Pourquoi vous passez des heures et des heures dans la prière? Bien aimé, la prière est très importante. Amen. La prière, c'est la respiration de l'enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. Le diable le sait. C'est pour ça qu'il combat la prière. Regarde la distraction. Beaucoup d'enfants de Dieu actuellement, dans cette période, dans cette dernière semaine de l'année 2022, vous allez voir, ils sont dans la distraction. Beaucoup des enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu sont dans la distraction. Ils sont en train de penser tout simplement à la traversée. Comment nous allons faire? Comment nous allons traverser? Comment nous allons faire pour traverser la nuit du 31 au 1er? Tout ça, bien aimé, c'est la distraction. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prier. Et vous allez voir que le diable va ramener les gens dans la distraction. Après les fêtes, viendront les soldes. Tout ça, juste tout simplement pour voler votre temps. Beaucoup de gens n'ont plus de temps, bien aimé, dans la présence de Dieu. N'ont plus de temps pour prier. Mais tu vois ta famille. Mais tu vois ta situation. Tu es encore jeune. Nous avons encore, bien aimé, toute la vie devant nous. Si nous ne prions pas, bien aimé, c'est l'échec total. Amen. Une vie chrétienne sans la prière, c'est une vie pleine d'échecs. Si tu veux réussir dans la vie, il faut prier. Jésus lui-même, bien aimé, pour accomplir les mandats que Dieu lui a donné, il a prié. Amen. Dans le jardin de Gethsemane, bien aimé, si cet homme n'avait pas prié, bien aimé, autre chose allait se passer. La preuve, quand il a dit aux disciples de prier, il les a trouvés en train de dormir. Ils dormaient. Voilà pourquoi il les a dit que maintenant, vous ne voulez pas, vous ne pouvez même pas passer une heure du temps avec moi. Il les a dit maintenant, dormez. Mais Jésus voyait qu'il y avait la tentation qui venait. Bien aimé, quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, un enfant de Dieu qui ne prie pas, quand il y aura des épreuves, tu vas sombrer dans la chair. Amen. Tu vas agir dans la chair. Voilà pourquoi comme Pierre a refusé, n'a pas pu prier une heure du temps, n'a pas résisté dans la prière. Qu'est-ce qui s'est passé quand les soldats sont rentrés dans le jardin? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'oreille du soldat. Amen. Alors que ce n'était pas une affaire humaine, c'était une affaire spirituelle. Amen.
Amen, amen. Donc voilà pourquoi, bien aimé, si vous n'avez pas une vie de prière, quand les épreuves vont venir, quand les persécutions, les problèmes viendront, vous allez oublier. Tu es capable de prendre une pierre, une canette de pierre. Oui, c'est du bois. Pourquoi? Parce que la prière me te rend solide. La prière te bâtit. Bien, la prière te préserve à la tentation. Jésus a dit que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen, amen, amen. Vous n'avez pas la vie de prière. Vous priez des prières flash. Pourquoi? Parce que tout va bien. On ne prie pas parce que tout va bien. On ne prie pas non plus parce que tout va mal. On prie parce que c'est un devoir. Parce que c'est un privilège de prier. Nous prions parce que le monde est corrompu. Nous prions parce qu'à des cas que le diable est descendu, bien aimé, il a été jeté sur la terre, plein de fureur et de colère. Sachant qu'il a perdu du temps. Et toi, tu ne veux pas prier. Nous voyons le temps bien aimé. Nous voyons des gens qui ne se soucient même pas. Tu as fait toute la journée. Tu sors sans prier. Tu manges sans prier. Tu t'habilles sans prier. Tout ce que tu fais, il n'y a pas de prière. Et c'est que les enfants de Dieu sont en train de faire. Les enfants de Dieu sont en train de prendre Dieu comme une roue de secours. Donc j'essaye d'abord par moi-même. J'essaye par mes propres voies. Si ça ne marche pas, alors je vais recourir à Dieu. Voilà pourquoi ça ne marchera jamais. Bien, à chaque fois que tu mets Dieu en dernier, il faut savoir que c'est l'échec total. Amen. La même qu'on commence à Dieu. Pensez toujours, ayez ce réflexe-là. S'il y a une situation, s'il y a quelque chose, pensez d'abord, le premier secours, c'est Dieu. David est en train d'écrire que je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Il reconnaissait que le secours d'abord à l'Éternel. Vous vous présentez d'abord vos problèmes aux hommes, au lieu d'abord de prier Dieu. Quelqu'un d'autre peut être malade, tu vas entendre non, on se précipite de ramener la personne à l'hôpital. Ce n'est pas mauvais. Mais avant, bien aimé, que tu appelles les pompiers, que tu appelles les médecins, appelle d'abord le secours du ciel. Appelle d'abord le secours du ciel. Voilà pourquoi quand les pompiers vont venir, quand ils vont faire, ils vont pas y arriver, ils n'arriveront pas. C'est là où on est de prier, appeler de gauche à droite. Maintenant, nous allons intercéder parce que vraiment, la situation est grave. Là où on est, c'est seulement Dieu. Mais pourquoi vous n'avez pas commencé avec Dieu? Pourquoi vous n'avez pas commencé avec Dieu? Mais c'est une insulte qu'un enfant de Dieu, bien aimé, puisse faire devant une situation où Dieu est ton père, Dieu est ton créateur. Devant une situation, tu cherches d'abord tes propres moyens. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'aboutit pas. Le monde est bien aimé, le monde est plein de méchanceté. Amen, amen. Dans Actes 23, la Bible déclare que les Juifs ont comploté. Des hommes qui étaient dans une quarantaine. Des personnes, une quarantaine de personnes. La Bible déclare, ils ont fait des imprécations. L'imprécation, c'est quoi? C'est lancer les paroles de malédiction. Ils voulaient à tout prix que Paul puisse mourir. Ils gênaient, ils priaient pour que Paul puisse mourir. Est-ce que tu me comprends? Il faisait des imprécations. Mais imagine-toi qui vient de me dire à l'époque de Paul, un homme noir, choisi de Dieu. Lui, il n'a pas été appelé comme toi et moi. Son appel était mystérieux. Jésus lui-même lui est apparu. Cet homme-là, mais bien aimé, le diable en voulait à sa vie. Nous connaissons nos vies. Jésus ne combat pas, Dieu ne peut rien faire pour toi. Il y a des gens qui font des prières, des imprécations contre toi. Le monde spirituel existe. Et le diable, il est à son rôle. Il fait des imprécations. Il fait des envoûtements. Il lance les assauts. Mais les enfants de Dieu croient. Les enfants de Dieu commencent à trouver tout normal. C'est vrai qu'il ne faut pas tout diaboliser. Amen, amen, amen. Mais un enfant de Dieu, il a le Saint-Esprit. Amen. Il sait que non, non, non. Une fois, deux fois, trois fois. Non, ça commence à se répéter plusieurs fois. Ça, c'est anormal. Amen, amen. Et c'est vrai, on n'est pas se répéter. Mais me toucher, aider, mais par le Saint-Esprit, tu peux savoir que non, non, ça, ce n'est pas normal. Amen. Vous frappez vos enfants qui se lèvent la nuit. Vous les frappez. L'enfant qui quitte sa chambre, qui vient, maman, l'enfant est de crier. Et toi, tu frappes l'enfant. Tu me déranges. Demain matin, je vais travailler. Ce n'est pas une nuit. Plusieurs nuits. Mais tu ne sais pas que cet enfant est de voir des choses bizarres. Que toi, tu ne vois pas. Cet enfant-là, tu le sais, tu ne peux pas l'aimer pour lui. C'est quelqu'un, c'est un enfant que le diable commence à initier à la sorcellerie. C'est ça que vous jouez. La bonté de Dieu, tout simplement, peut-être que c'est un enfant qui est choisi de
Dieu qui fait que cet enfant se réveille à chaque fois. Mais toi, tu frappes l'enfant. Alors que Paul a dit de nous dire que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Amen. La lutte, bien, ce n'est pas contre le sang et la chair, contre les dominations. Amen. Ça existe, les principautés existent. Je vous dis que le monde des ténèbres existe. Amen. Et le diable agit. Les enfants de Dieu ne sont pas avisés. Maintenant, le diable a changé de stratégie. Souvent, les chrétiens se sont réveillés au mois de décembre. Je ne priais. Décembre, je ne priais. Le diable, mais il connaît les choses. Il dit que non, après janvier, après décembre, janvier, février, mars, les enfants de Dieu s'assoupissent. Là, il fait me laisser tranquille. C'est là où vous allez remarquer que pendant un certain moment, février, mars, il y a beaucoup de morts. Quand nous voyons même bien aimé, quand la COVID a frappé, c'était en ce moment-là que l'esprit de mort a été relâché. Ne pas prier, bien aimé, c'est une peine. Si tu ne pries pas, c'est toi qui as de la peine. Amen, amen, amen. Et les gens pensent que quand nous prions, c'est comme si, voilà, tu parles dans le vide. Nous ne parlons pas dans le vide, tu parles dans le vide. Si tu ne réalises pas que Dieu est à tes côtés. Amen. Tu parles dans le vide si tu ne sais pas que quand je parle, quand je prie, quand j'ouvre ma bouche, Dieu est invisible, mais il est présent. Amen. Il faut prier. Les enfants de Dieu sont en train de voir combien le diable pénètre à petit feu, bien dans ta maison. Tu regardes la vie de tes enfants, les notes que portent bien tes enfants. Tu les vois bien, mais tu ne veux rien faire. Tu sais, il y a des choses quand tu ne combats pas, quand c'est encore petit. Je pense que le diable peut te vaincre. Le même diable là qui était dans le livre de Genèse, au commencement, il était un serpent. Dans l'Apocalypse, il devient un dragon. Donc, le fait que vous négligez les petites choses, mais vous ne savez pas que le diable s'engouffre. Le diable, c'est comme un microbe. Ça peut commencer, mais ça peut rentrer petit, tout petit. Mais quand il est là-dedans, s'il n'y a personne qui le tourmente, il est là, il s'assoit. Et il commence à grandir. Et toi, tu es là. Quand tu vas te réveiller trop tard, il a déjà fait des dégâts. Il faut prier. Et la Bible nous demande que nous devons persévérer dans la prière. Jésus a dit dans Luc 18 que nous devons persévérer dans la prière. Tu sais pourquoi les gens, des fois, abandonnent la prière? C'est parce que vous n'avez plus foi. Voilà. Vous êtes dit tout simplement que non. Bon, j'ai prié, j'ai prié. Voilà le langage commun, c'est quoi? Non, Dieu va faire. Dieu fera grâce. Mais au-dedans de toi, si on met un thermomètre, on saura que non, la foi n'est plus. Oh, quelqu'un qui prie sans se relâcher, c'est quelqu'un qui prouve sa foi en Dieu. Amen. Quelqu'un qui dit à Dieu que Dieu, je sais que tu vas faire. Amen. Je sais que je vais persévérer. La Bible dit qu'elle est l'homme de la même nature que nous. Amen. Il a prié avec un sens. Amen. Où est le sens dans vos prières? Où est la persévérance dans vos prières? Alléluia. Amen. Une vie de prière. Si tu vois bien que ton travail est en train de t'empêcher, si tu vois qu'il y a quelque chose qui t'empêche de prier, bien, mais coupe cette chose, arrête cette chose-là. Parce que c'est dans la prière, bien aimé, que nous avons la solution de toutes les choses. Et quand je méditais, je disais que c'est vrai que nous disons que les démons de pauvreté ne peuvent pas, bien aimé, être chassés par la prière. Mais dans la prière, Dieu peut te révéler un acte prophétique. C'est dans la prière que nous écoutons Dieu. C'est dans la prière. C'est dans la prière que Dieu peut te révéler un acte prophétique. Il va te dire, ramène ça, fais ci, fais ça. Mais pourquoi tu as eu la solution? C'est parce que tu as prié. La prière t'empêche de tomber dans la tentation. Amen. Les chrétiens qui ne font que tomber aujourd'hui, tu couches avec un homme, tu te relèves, tu demandes pardon. Le lendemain, tu couches encore. Aujourd'hui, tu insultes, tu demandes pardon. Tu as dit que plus jamais, je vais m'énerver, plus jamais je vais critiquer. Le secret pour que tu abandonnes réellement, il faut que tu pries pour ça. Amen. Amen. Prendre la décision ne suffit pas. Amen. Voilà pourquoi 1000 décisions que tu as prises, mais tu continues à faire le même péché, les mêmes bêtises. Tu continues à calomnier. Mais si tu te mets dans la prière, c'est le délivre-moi de cette situation. Parce que l'enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Amen. Comment je vais être colérique comme ça? Comment je vais être impulsif comme ça? C'est pas normal, c'est le délivre-moi. Tout ça, c'est dans la prière. Amen. C'est dans la prière. Voilà, parce que c'est la parole de Dieu qui transforme les cœurs. Parce que Dieu te voit sous ses pieds dans la prière. Amen. Voilà pourquoi quand il va envoyer la parole, parce que ton cœur déjà ne veut pas de ce comportement, parce que tu es déjà devant Dieu, lui dit,
vous sortez sans prier, vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez dans votre tête? Quand Dieu dit que je garde Israël, je ne donne ni de sommeil. Mais il faut prier pour que Dieu te garde. Vous savez qu'il y a des gens qui conduisent comme des fous. Tu peux être correct sur la route. Mais quelqu'un d'autre va te causer les malheurs. Demandez que le mal s'éloigne de toi. Que le mal s'éloigne de toi. Tu pries. Bien aimé, quand on prie, je vous dis que Dieu écoute la prière de ses enfants. Amen, 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 amen. Dieu gardera les dangers loin de toi, loin de tes enfants. Amen, amen. Tu fais un mauvais rêve. Bien aimé, tu attends. Tu as fait ces rêves. Ces rêves-là, les vendredis. Tu attends jusqu'à mercredi pour annuler. Tu attends jusqu'à dimanche pour annuler. Mais le diable est déjà loin. Amen, amen. Le monde spirituel existe. Amen, amen. Je n'oublierai jamais ça, bien-aimé. Un jour, alors que je m'étais converti avec zèle, j'étais zélé dans la foi. Et jusqu'à maintenant, par la grâce de Dieu. Donc, on avait une retraite. Et on était dans la retraite. Et pendant la retraite, il y a une soeur qui a fait un rêve comme quoi que son enfant a été écrasé par une voiture. Et on a prié, elle a donné le signe de prière. On a prié. Bien, mais quand l'église prie, amen, c'est autre chose. Amen, on appelle ça la prière des accords. Matthieu 18 et 19, la Bible déclare que sur deux personnes s'accordent. Deux s'accordent pour demander quelque chose. La Bible déclare que cela leur sera accordé. La puissance est dans la prière. Amen. Et à la sortie de la retraite, voyons bien aimé que. En Afrique, comme vous voyez, là, voilà, sur la route, les gens sont en train de jouer, les enfants sont en train de jouer, les enfants peuvent traverser la maison et aller dans l'autre côté, aller de l'autre côté. Et on a vu, bien aimé, la sœur a dit que je veux une voiture. Bien aimé, Dieu, amen, la prière a une puissance. Amen. Priez, négligez tout, mais pas la prière. Amen. Et les gens, l'enfant a traversé la rue, il y a une voiture qui est passée tout de suite. Et tout le monde a crié, l'enfant est parti. Tout le monde a crié. On disait que l'enfant est écrasé. Il est vraiment bien écrasé. Et on voyait l'enfant de l'autre côté sortir. En train de crier, maman, maman, maman. C'est parce qu'on avait prié. On a annulé le plan de l'enfer. Donc la voiture est passée sur l'enfant, mais l'enfant n'a rien eu. Je vous dis bien, mais la prière, ça marche. Négligez tout. Sauf la prière. Amen. Si on n'avait pas prié, l'enfant serait mort. Amen, amen, amen. Ne dites pas que je ne trouve pas à magasiner. J'ai ma réserve de prière. Ça n'existe pas. Amen, amen. Le diable n'a pas de récréation. Amen. Il n'a pas de repos. Dire que non, 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 si, voilà, j'ai déjà. Hier, j'ai prié 2 heures du temps. Aujourd'hui, je ne prie plus. Aujourd'hui, je ne prie pas. Parce que la grâce t'a été donnée. Tu n'as rien à faire. Tu passes ton temps dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que ces réseaux-là vous donnent? C'est vous qui les enrichissez. Quand vous mettez les jeunes par-ci, par-là, je ne sais pas si on les paye ou pas. Mais toi, on ne te paye rien du tout. Tes propres vidéos qui t'édifient dans l'église, tu ne mets rien du tout. Alléluia. Oui, je vous dis, frère. Les influenceurs, ils vous influencent dans le mal. Dans le mal. Ils vous influencent dans le mal. J'ai écouté une femme qui parle. J'ai écouté une fois trois. Bien aimé, tu peux discerner quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Vous savez, mais on ne peut pas séparer Dieu de l'amour. Amen. Quelqu'un qui peut te donner le conseil. Tu vois toujours. Il y a de la haine. Il y a de l'amour. Des mépris que tu dois haïr. Amen. Que tu dois haïr ton mari. Que tu dois... Ce n'est pas bon. Amen. Et vous prêtez vos oreilles à ces gens-là. Amen. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Combien de temps vous passez dans la prière? Je sais que vous n'avez même pas pu prier une heure. Une heure, c'est le minimum. Une heure du temps, c'est le minimum de temps de prière. Et si je regarde bien, bien aimé, dans la prière, la toile de fond de prière, c'est des actions de grâce. Donc, si je prends une heure du temps, je dis prends la toile de fond des actions de grâce. Mais les une heure du temps peuvent déjà passer dans les actions de grâce. Donc, si tu dis que tu pries une heure du temps, mais ce n'est pas énorme. Tu as des défis. Mais tu peux avoir l'appel de Dieu. Écoute-moi. Tu peux avoir l'appel de Dieu. Tu peux avoir un projet. Écoute-moi bien. Si tu n'associes pas Dieu dans la prière, si tu ne pries pas, tu vas avoir 80 ans, 84 ans, 90 ans. Ce projet-là n'est pas accompli. Jésus a prié. Il priait très tôt le
projet que tu as. Toujours cahier stylo, tu es là en train de prier. C'est pas mauvais. Mais si tu ne soucies pas la prière, parce que les gens que tu vas croiser, ce sont les gens qui ont des bizarreries. Ils ont l'air chichis, ils ont l'air mystiques. Tu les verras toujours avec un petit fil rouge quelque part. Ils sont dans les gris-gris. Et avant de sortir, ils ont l'air loge. Ils ont l'air chambre noire qui rentre. Mais toi, c'est quoi ton lit secret? Tu n'en as pas. Touche les prières flash. Seigneur, je te loue, je t'adore, je t'adore. Et quand tu as envie de prier comme ça, tu t'habilles. Hein? Tu as envie de t'habiller. Seigneur, je te loue, je t'adore. Attends, Dieu n'est pas ton copain. Fais attention. Fais attention. Il y a des choses de la même façon, bien aimé, que vous preniez Dieu. Dieu va vous prendre de la même façon. Fais bien aimé un bilan. De l'année 2022, quelle a été ta vie de prière? Et beaucoup parmi vous, vous avez dit que non, j'ai prié. J'ai prié, j'ai parlé à quelqu'un. Oh, mais j'ai déjà prié. Mais tu parles, il faut lire la Bible. Il faut que tu t'arrêtes jusqu'à ce que tu verras le résultat. Amen, amen, amen. Même pour ouvrir le ciel, la Bible dit qu'Élie, bien aimé, était là, il a été prié jusqu'à ce qu'il va lui envoyer son serviteur. La Bible dit que cette fois, première fois, il n'y avait rien. Deuxième fois, il n'y avait rien. Il a envoyé, il continue à prier. Mais vous vous arrêtez, bien aimé, à la deuxième prière, vous vous arrêtez. Qui vous a dit, vous bien aimé, qui vous a dit de vous arrêter? Il y a quelqu'un qui peut que tu peux sortir de l'enfer. Ne pense pas que ça sera une prière, bien aimé, banale. La Bible dit que frappez. Il y a un moment où vous demandez, mais quand vous demandez, vous serez donné. Mais il dit que frappez. Au moment où on frappe, il n'y a plus pitié. Dis-moi, amen. C'est le moment de riposte. C'est le moment de la guerre. Où tu es en train de parler, où tu es en train de réclamer, où tu es en train d'arracher. C'est le moment de frapper. Et c'est le moment de chercher. Tu es en train de chercher le Seigneur. Si tu ne réponds pas, je ne te laisse pas. Il dit qu'invoque moi, je te répondrai. Beaucoup parmi vous, bien, vous devez connaître les choses cachées, qui sont dans vos femmes, les choses cachées pour votre avenir, que Dieu doit vous révéler. Sinon, vous tournerez toujours en rond. Aucune direction. Aucune direction, aucun projet. Tout ce que tu fais, tu peux bien commencer, après ton cœur ne répond plus. Dieu veut que tu te mets à le chercher. Il y a des choses à te révéler. Amen, amen, amen. Il y a des choses que vous devez arrêter pour un temps. Et sinon, c'est pour toujours. Bien, mais tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, j'arrête d'abord tous ces blablabla. Bla. Vous savez, le diable est rusé. Le diable, il utilise les ruses. Il est bien rusé. C'est vraiment un serpent. Un serpent peut être là, tu ne peux pas savoir qu'il y a un serpent qui est là. Un serpent, quand il rampe, tu ne peux pas savoir qu'il est en train de ramper. Il faut que tu vois, mais tu ne peux pas sentir. Le diable est rusé. Il est en train de voler ton temps. Il y a une vidéo qui va arriver 20 minutes. Bon, 20 minutes, c'est rien. Papa, papa, tu regardes. Après, je vais me mettre à prier. Après, une autre copie arrive. 25 minutes. Oh, 25 minutes, oh, c'est rien. Mine de rien. Tu as déjà consommé 2 heures. Et c'est là maintenant que tu commences à prier vite, vite. Ni lire la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose que bien aimé. Le film que vous dites, le film est chrétien. Ce film-là, quand il y a les versets qui sont donnés, allez vérifier dans les Écritures. Je vous dis, le diable est rentré. Le diable avait de falsifier les choses. Et si tu ne vérifies pas dans les Écritures, tu vas commencer à citer le verset contre-sens. Dans contre-sens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vérifié les Écritures. Toi, tu as dit que non, non, non. Aide-toi le Seigneur t'aider là. Ce n'est pas divin. Amen. Ce n'est pas dans la Bible. Amen. Ça. Amen. Mais parce que tu as entendu ça, non, dans le film, on dit ceci. Oh, aide-toi le Seigneur t'aider là. Aide-toi. La maison qui ne reçoit pas, c'est une maison qui n'est pas bénie. Verset, c'est long. C'est mal. C'est de mal. Que Dieu nous aide. Amen. Même dans la prière, je vous dis, il y a la puissance de la prière. La prière, Dieu déverse sur toi sa puissance. Amen. Quelqu'un qui a une vie de prière, quand on parle de la prière, bien aimé, le Saint-Esprit lui-même, la Bible déclare de foi, nous ne savons pas quoi demander. Mais lui, il intercède en nous par le soupir inexprimable. Tu es puissant. Voilà pourquoi, bien aimé, quelqu'un d'autre peut chasser un démon dans le nom de Jésus-Christ, les démons partiront. Amen.
Tout de suite là. Les femmes, il ne dit rien du tout. Juste sa présence. Pourquoi? Parce que Dieu est rempli en toi. La puissance est là. L'onction est là. Allez demander aux fêtes aux sept fils de Séba. Et ils ont imité le Jésus que Paul prêchait. Ils ne savaient pas que Paul avait la vie de Christ en lui. Paul était un homme de prière, un homme de feu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, par manque de vie de prière, ils courent derrière les vos prières. Prie pour moi parce que lui-même sait qu'il est léger. Lui-même sait que dans ma prière, je ne pense pas que ça peut traverser même les plafonds. Il sait que sa prière est légère. Voilà pourquoi il faut recours. Il faut recourir dans d'autres personnes pour dire que associez-moi, accompagnez-moi dans vos prières. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez avoir bien de l'assurance. La Bible dit que nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Mais c'est que quand nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Prie avec assurance. Prie en sachant que je prie. Je sais que j'ai un Dieu qui m'écoute. Et on prie pour toutes les choses. Je sais que tout ce que vous demanderez en priant, par la foi, il dit que je vous le donnerai. Tout ce que vous demanderez en prière par la foi, il faut prier par la foi. Amen. Alléluia. Il faut prier pour toutes choses. Je me rappelle quand on nous a appelé que la bouche était fermée. On m'a parlé au téléphone. Et je rappelle de suite. Et les gars qui nous disent que non, on a fermé la salle. Je n'avais pas d'abord bien compris. Elle dit que j'ai dit quoi? Elle dit que non, demain, à partir d'on a fermé la salle. Après, il y a une joie qui m'est rentrée quand même. J'ai dit, avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer à prier, on s'est tenu, on a prié. Amen. Le réflexe, bien aimé, la prière d'abord. Amen, amen. D'abord la prière. Parce que si tu fais autre chose, c'est Dieu qui incline le cœur. La Bible dit que le cœur du roi est courant dans la main de l'éternel, il incline où il veut. Tu pries, il court de prière. J'aime pas dire de petites prières. Il n'y a pas de petites prières. La prière peut être courte, de puissance. Efficace. Amen. La prière de la foi. Amen. Et après, ça va prier, c'est en ce moment-là qu'on a commencé à prier. Mais il faut d'abord prier. Il y a une situation qui arrive. Bien aimé, récemment, je ne sais pas quel est le premier qui était là dans la famille. Je disais, mais comment on va faire? Il y a un esprit qui me dit, mais prie. Mais tu as prié. Bien aimé, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Tu es incapable. Tu es la cadette, tu es incapable. Mais que Dieu peut résoudre. Retiens ce verset, mais le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'éternel. L'éternel l'incline où il veut. Où il veut. Et quand tu présentes, tu viens dans la prière. Seigneur, je veux que tu inclines le cœur. Seigneur, change ma famille. Seigneur, touche ma famille. Seigneur, intervient. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sur toi et ta femme. Est-ce que tu pries pour ta femme? Est-ce que tu pries? Vous pensez que c'est automatique? Il faut prier. Quand vous lisez le acte 16, la Bible dit qu'après avoir, quand il priait, quand il a dit, il a répondu, et voilà, à ses geôliers, il lui a dit que crois au Seigneur Jésus. Il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Il dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta femme. Il y a une suite après. Cet homme-là, bien aimé, a rassemblé sa famille. Amen. Il priait pour eux. Et il a appelé Paul de le prêcher. Il y a une démarche que tu vas faire. Amen. Pour que ta famille soit sauvée. Il faut que tu aies la compassion de ces âmes-là qui sont venues. Il faut prier. Les gens ne prient pas. Tu ne peux pas passer une journée sans prier. Et si Dieu disait que bon, pour quelques instants, je vais prendre mon souffle de vie. Tu vas faire comment? Tu serais morte. Amen. Planifier des choses. Amen. Il y a des choses prioritaires. Il y a des choses importantes. Amen. Des choses qui ne sont pas bien aimées, importantes, qui ne sont pas prioritaires. Ça peut attendre. Amen. Ça peut attendre. Amen. Ça peut attendre. Amen. Mettez Dieu de l'avant. Amen. Donc moi, je ne vais pas voir ma maison sale. Ce qui n'en a ni que ça de bêté. Voilà pourquoi tu vas commencer à gratter tous les carreaux, tu vas te dégratter. Les gens vont voler ton temps. Il va dire que regarde, ça c'est pas bien clair. Réveille encore. Et tu as oublié que tu regardes même pas l'heure. Et puis, pour camoufler un peu, pour tranquilliser un peu ta conscience, tu mets l'adoration. Ou bien tu mets la prédication, tu vas te dégratter. Non, c'est pas ça.
Attends, tu penses que tu vas mentir Dieu? Amen, amen. Donc je vais d'abord prier, je vais d'abord faire ceci. À chaque fois que tu dis que je vais d'abord faire ceci, Dieu n'aura jamais. Amen. Bien, retenez bien cela. Amen. Et si vous voulez expérimenter cela, vous allez voir. Amen, amen. Commencez la journée, commencez à dire non, je vais prier après. Je vais lire après. Ma dîme, non, 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 je vais donner après que j'ai enlevé d'abord tout. Tu vois que tu ne donneras jamais. Amen. Tu ne prieras jamais. Amen. Tu ne liras jamais la parole de Dieu. Quand on commence avec Dieu, c'est lui le maître de temps et de ce qu'on il saura gérer. Voilà pourquoi il y a des choses, quand on commence avec Dieu dans la journée, tu seras étonné. Amen. À la fin de la journée, tu regardes, ah, j'ai résolu, j'ai fait tout ça. Tout ceci a été résolu. Amen. Mais pourquoi? Parce que tu as précédé Dieu. Amen. Dans ta prière. La Bible nous dit dans Jacques 4. On va finir par là. Jacques 4, je commence au deuxième verset jusqu'au troisième verset. La Bible dit que vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Voici le verset qui va nous, la phrase qui va nous intéresser et nous introduire dans le troisième verset. Nous sommes dans Jacques 4. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Au verset 3, il dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Jésus, il dit, tout ce que vous demanderez par la prière, tout ce que vous demanderez par la prière, dans la foi, amen, je le ferai. Amen. 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 Et de l'autre côté, il dit que vous demandez mal dans le but de satisfaire votre passion. Voilà pourquoi je réponds à quelqu'un qui m'avait posé des questions, mais La Bible, mais c'est comme un couteau à double tranchant, mais c'est écrit. Alléluia. Hébreux 12, Hébreux 4 nous c'est écrit. La parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant, une épée à double tranchant. Elle coupe de l'autre côté, elle coupe d'un côté, elle coupe aussi de l'autre côté. C'est comme s'il y a une contradiction. Non, il n'y a pas une contradiction. La Bible ne se contredit pas, la Bible c'est complète. Amen, amen. Donc dans tes prières, ce que tu dois savoir, tu vas demander des choses selon la volonté de Dieu. Amen. Pas d'abord dans le but de satisfaire tes passions. Je veux Seigneur, je veux que tu touches les cœurs de cet homme. Je veux que tu touches les cœurs de cet homme, c'est-à-dire qu'ils se convertissent. Pourquoi? Parce que tu ne vois que toi. Il y a des gens qui sont égoïstes dans la prière. Quelqu'un me comprend? Amen, amen, amen. Dans le but de satisfaire vos passions, quelqu'un, une sœur en Christ, qui a un homme qui ne prie pas, qui fait que Dieu change le cœur de cet homme, ce qui va faire que Dieu accélère la conversion de cet homme, c'est par rapport à ton état d'âme, par rapport à ton état d'esprit, par rapport à ton cœur. Si tu demandes à Dieu de convertir cet homme, parce que cet homme est tout le temps dehors, il va dans les boîtes de nuit. Moi, je veux que nous puissions rester ensemble, parce que j'ai besoin de lui. Est-ce que tu me comprends? Où est Dieu là-dedans? Tu sais, il y a des gens qui sont égoïstes. Ouais. Où est Dieu là-dedans? Là-dedans, tu ne vois que toi-même. Je veux que cet homme ne soit qu'à moi-même. Mais si tu disais que Seigneur, convertis-le. Mais parce que par lui, sa famille sera sauvée. Par lui, dans son travail, les gens peuvent être sauvés. Et en second, toi tu viens en second d'abord Dieu. Voilà pourquoi quand tu regardes l'histoire de Anne dans la Bible, 1 Samuel 1. La Bible dit que cette femme-là était stérile. Elle montait tous les ans à Silo pour prier. Il y avait une convention là-bas. Tous les ans, elle partait, elle priait. Jusqu'à ce qu'elle priait, elle priait, priait. Elle n'y avait rien. Jusqu'à ce qu'elle avait fait un deal avec Dieu. C'est-à-dire qu'elle a dit que non, je vais faire quelque chose avec Dieu. Je vais coopérer avec Dieu. Jusqu'à ce qu'elle avait dit que Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Dieu a dit, ok. Pourquoi? Parce que Dieu là-dedans, Dieu a vu son intérêt. Parce qu'à l'époque, le prophète était rare en Israël. Voilà pourquoi le prophète Samuel était un prophète puissant.
Anne n'avait pas fait, bien aimé, cette prière-là, Anne allait attendre longtemps dans la stérilité. Mais Dieu, voulant que Dieu, Anne a prié ainsi, dit que si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Et elle a été fidèle. Après que l'enfant soit sévré, Dieu m'a quelques jours après, quelques mois après, il est parti, elle est partie déposer l'enfant au temple. À cet âge-là. Parce qu'elle était consacrée à l'Éternel. Ne priez pas dans le sens que Seigneur, moi je veux que tu me bénisses. Que Dieu te bénisse, pour quoi faire? Regarde ton état de cœur. Regarde tes motivations. C'est quoi le but? Satisfaire tes passions. Je vais, Seigneur, ouvrir. Seigneur, je vais bâtir un orphelinat pour toi. Est-ce qu'il y a quoi derrière? Pour que les gens disent, ah, cette soeur-là, si ce n'est pas toi vraiment, dans ce pays-là vraiment. À chaque fois que tu cherches à tirer la gloire, oublie la chose. Amen. Oublie le projet. Amen. La Bible déclare que Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Évitez cela. Mettez Jésus devant. Amen. Quand c'est lui qui a tout accompli, nous ne sommes que les instruments. Amen. Pour accomplir son œuvre, mettez-lui devant, c'est lui. C'est lui qui a donné, mais c'est lui à qui on a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est Jésus. Il faut prier comme ça, bien-aimé. Ne cherchez toujours pas. Non, je vais essayer de bénir moi. Donne-moi une voiture. Pourquoi faire? Tu sais, donne-moi une maison. Pourquoi faire? Regarde, si les passions sont telles que ce que tout le monde achète, il n'y a que moi qui reste. Oublie cela. Dieu n'écoute pas de telles prières. Voilà pourquoi tu finiras par t'endetter. Et puis pour rembourser, ça devient grave. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une prière qui était dans le plan de Dieu. Jésus a dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Là, il parle d'une joie éternelle, d'une joie spirituelle. Pourquoi interprète ça que, en fait, que votre joie, demandez afin que votre joie soit parfaite, on voit les maisons. Non. Attends, les païens qui ont tout ça là, ils n'ont pas cette joie parfaite que Jésus parle. La joie parfaite, c'est-à-dire que la vie de Christ rentre en toi. C'est-à-dire que tu n'as rien que le monde a, mais tu appelles que tu vis mieux que tout le monde. Tu as une joie immense. Tu es en paix. Alors que tu es locataire, c'est une joie éternelle, c'est une joie spirituelle. Il dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous êtes toujours, donne-moi les mariages, donne-moi la maison, donne-moi ce n'est pas mauvais. Mais sa priorité, demandez d'abord. Je vais m'asseoir au-dedans de vous pour que vous puissiez porter les fruits. Les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Demandez. Voilà pourquoi le Seigneur est là. C'est pour ça que je dis encore, une heure du temps dans la prière, c'est zéro. Je vous dis que c'est zéro. C'est zéro. Vous devez vous étaler devant le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup parmi vous, vos caractères bien-aimés ne reflètent pas une enfant de Dieu. Mauvais caractère. Amen. Ça sent mauvais. Alors que nous devons dégager l'odeur de sa présence. Mais toi, tu dégages l'odeur du mal. Quand tu parles, bien-aimé, tes paroles sont comme un couteau, ça coupe. Tu es insolent. Voilà pourquoi Jésus dit que demander. Parce que ta joie n'est pas encore parfaite. Tu dois aller devant Dieu, Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Alléluia. Amen. Tu dis à Dieu, Seigneur, change-moi. La Bible dit que ta douceur sera connue de tous. Amen. Où est la douceur? Amen. Où est la douceur? Tu es arrogante. Quand toi tu parles, tu as des mots que tu utilises. Tu t'en fous de tes aînés. Tu t'en fous de ton mari. Tu parles mal. Et maintenant, si le Saint-Esprit ne t'a pas encore dit que tu parles mal, moi, maintenant, ma question, est-ce que tu es le Saint-Esprit? Car il y a quelqu'un qui vous parlera de toutes choses. Il vous enseignera toutes les choses. Il dit qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. L'Esprit de Dieu en toi, quand tu fais quelque chose, il doit te convaincre. Ton langage, ton langage. Tu viens de blesser quelqu'un. Mais si maintenant le Saint-Esprit est silencieux, soit ta conscience est déjà morte, soit le Saint-Esprit t'a déjà quitté. Ouais. Tu vas écouter quelqu'un d'autre qui va dire dans Jean, il est dit que le Saint-Esprit, Jésus a dit que le Saint-Esprit, quand il sera venu, il sera éternel.
Dieu. Ne lisez pas la parole de Dieu intellectuellement. Lisez la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Amen. Mais il va être éternellement avec moi, avec toi, si tu l'entretiens. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Si tu prends soin de lui, attends, quelqu'un qui vient chez toi, tu le maltraites. Même si à la base vous avez signé un contrat, que non, c'est moi qui vais t'élever, je vais t'élever jusqu'à ce que tu vas te marier. L'enfant va partir si tu le maltraites. Amen. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'aise en toi, il va partir. Chaque fois, bien aimé, il faut regarder ces choses-là. Un enfant de Dieu doit refléter Dieu. Amen. Un enfant de Dieu doit sentir Dieu. Amen. Comme on nous a prêché, mais un boucher sans la viande. Amen. Un poissonnier sans les poissons. Amen. Mais toi, tu sens maintenant quoi? L'odeur de quoi que tu dégages? Va dans la prière. Va dans la prière. Ne te glorifie pas parce que tu es colérique. Non, moi, quand je m'énerve, qu'est-ce qui monte en toi? Si vous avez été coupé, bien aimé, il faut parler. Il faut aller vers Dieu. Beaucoup parmi vous, on vous a fait des tatouages quand vous étiez encore enfant. On vous a mis dans votre bassine d'eau, quand on vous lavait, on a mis les os des chimpanzés qui montent de partout. Chimpanzés, ils montent partout. Voilà pourquoi tu es toujours dominé sur tout le monde. Tu montes. Dans tes parents, tu montes. Tu l'as demandé à Dieu de te délivrer. Hein. C'est pas normal. Ou bien les noms que tu portes, les noms de ton grand-père, de ta grand-mère que tu portes. Et celle-là, elle était bouchée quand elle parle. Les hommes ne se tenaient pas devant elle. C'est ce nom-là que toi tu portes. Fais attention, si tu ne te réponds pas, si tu ne vas pas vers Dieu de te changer, tu peux perdre ton mariage, tu peux perdre même ton travail. Amen. À cause de ta bouche, tu parles mal. Insolente que tu es. Où est la douceur du Saint-Esprit? Et tout ça dans la prière, ça peut finir. Je vous dis, je suis témoin de ces choses-là. Je suis témoin. Amen. Et je sais que Dieu n'est pas encore fini avec Amen. Moi. Amen. Nous savons que la perfection, c'est au ciel. Alléluia. Ma question est celle-ci. Pourquoi vous n'êtes pas interpellé? Si vous n'êtes pas interpellé, soit vous n'êtes pas connu de nouveau, soit votre conscience est déjà morte. Le Saint-Esprit vous a déjà quitté. Vous ne le savez pas. C'est pas normal. Regarde le caractère. Quand toi tu vois, ta bouche doit parler. Quand tu écoutes quelque part, ta bouche, les cœurs, c'est dit que non. Donc c'est plus fort que toi. Je dois parler. J'ai entendu, on a fait de dire ça. Ma soeur, tu n'étais pas là. Mais écoute, telle soeur, on dit ça sur toi. Enfant de Dieu. Amen. Nyoka. Amen. Ouais. Et pour les témoins, tu fais semblant, c'est comme si attends, nous étions qu'à toi. Mais comment ça se fait que la quatrième personne est au courant? Or, c'est toi. Que Dieu nous aide. Changez. Produisez les fruits de l'esprit. Les fruits de repentance, vous les avez produits. Tu ne bois plus d'alcool, ça va, mais ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ont arrêté l'alcool parce que tout simplement, ils ont regardé leur âge. Dis-moi, Amen. Il y a des hommes qui ont arrêté les boîtes de nuit parce qu'ils ont dit que nos 45 ans, là, c'est bon. C'est pour les plus jeunes. Il a arrêté. Hein. Il n'a pas écouté la parole. Ça, c'est les fruits de repentance. Mais les fruits de l'esprit. Pour prouver que le Saint-Esprit habite en moi. Attends, ça se travaille. Ça doit se travailler. Un enfant de Dieu, il a le langage de Dieu. Le langage vient de primaire d'un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Regarde les gros mots que tu sors. Tu es toujours donc quand on prend un voyou de ce monde, quand on voit, je ne sais pas, une danseuse de ce monde, avec toi on met, c'est vraiment c'est pareil quoi. Quand tu parles, tu as des mots bizarres. Voilà, dans aucun dictionnaire, ça n'existe pas. Rando, je ne sais pas rando, ça vient tout. Et des chrétiens qui appliquent ça, je ne savais pas. J'appelle une soeur, je dis qu'il n'y a qu'elle qui peut m'expliquer. Je dis, c'est quoi rando? J'attends pas les gens, je ne sais pas. C'est dans quelle langue? Mais c'est un nom d'un prénom. Après tous les enfants de Dieu. Non, mais si tu connais français, dis que maintenant elle est en four avec terre. C'est tout. C'est si simple que ça. S'il y a quelque chose qui est froid, ça peut être réchauffé, c'est tout. Que Dieu nous aide. Priez. Rallumez le fait de la prière. La chaque fois que vous priez, Saint-Esprit rallume en moi le fait de la prière. Que j'aille encore prier.
n'aime pas la prière, attention. La chair n'aimera pas la prière, mais ton esprit est disposé. Amen, amen, amen. Voilà, si tu t'arranges, dis que moi, je vais être vraiment en forme pour prier. Tu vas prier deux fois l'année. Amen, vérité. Si c'est ce que tu attends, tu vas prier deux fois l'année. On prie, même si moi, deux fois, j'ai sommeil. Je dis que Satan, tu mourras. Voilà pourquoi quand tu vas commencer les 10 premiers minutes, c'est un peu compliqué. 15 minutes, tu commences à t'envoyer. Et quand tu vas regarder les heures que tu as fait la prière, ah Seigneur, si je l'avais cédé à la chaîne, j'allais perdre mon temps. Amen, amen. Et tu ne sais pas que ta prière peut sauver quelqu'un. Amen, amen, amen. Et Dieu te met une pensée d'un enfant, d'une personne dans tes prières. Prie pour elle, vous cherchez toujours comment Dieu me parle. Moi vraiment, longtemps que je suis enfant de Dieu, Dieu ne m'a jamais parlé. Toi tu attends que Dieu te parle dans le rêve. Quand tu es en train de prier, tu pries, tu es en train de prier, quelqu'un qui te vient à l'esprit. Amen. Amen. Un enfant de situation, même si c'est ton passé qui te vient à l'esprit, Dieu est en train de te dire que non, là, il y a quelque chose à régler. Priez pour ça. Comment tu peux prier? Tu as laissé la marmite au feu et toi tu vas prier. Tu es sérieuse? Toi tu es sérieuse toi? Juste pour dire qu'il y a une formalité. Donc moi j'ai baissé. Attends, on ne manque pas avec Dieu. Amen, amen. On ne manque pas de Dieu, il faut faire attention. Soit tu pries, soit tu ne pries pas. Amen, amen. Et disons aussi que les gens qui disent que telle heure de la nuit, il faut faire les prières de minuit. J'ai médité là tout à l'heure, j'ai dit attends, avec ces décalages d'horaire, les gens maintenant qui, là-bas chez eux, là, à minuit, je ne sais pas. Non, fais-toi conduire par le Saint-Esprit. Amen, amen. Que le Saint-Esprit te dirige. Amen. Mais c'est que je sais que Jésus priait très tôt le matin. Amen. Très tôt le matin. Mais quand toi, tu sais que le moment propice pour toi, c'est la nuit, prie la nuit. Mais n'attendez pas. Il y a quelqu'un qui disait que non, j'ai appelé. Tu as l'air fatigué. Tu as déjà prié. Non, je n'ai pas encore prié. J'attends minuit. Ah! Mais il y aura temps. Mais commence pour toi à prier. Attends. Les sommets s'annoncent déjà. Amen. Commence à prier. Pourquoi tu attends minuit? Pourquoi? Parce que vous avez vos connexions. Voilà. Telle chaîne va se connecter à minuit. Prêche. Dieu vous aide. Amen, amen, amen. Dieu vous aide. Après cela. Comme papa disait, vous êtes en train de recevoir les prières, envoyez aussi les offrandes. Mais c'est ça, envoyez. Tu reçois sans donner. Attends, tu penses que lui va passer là, il est en train de prier. Voilà pourquoi il vous met en bas des vidéos, envoyez vos offrandes. Essaye de prier par toi-même. Commence d'abord par toi-même. Commence d'abord par toi-même. Quelle est la situation? Voilà pourquoi Dieu vous confond toujours. Depuis que tu as commencé, je connais une sœur, 5 ans, c'est même plus jeune, 5 ans, je serai 10 ans. Mais regarde, une vie terre, une vie légère, rien du tout. Elle est venue, je lui viens à l'église. Elle n'a même pas demandé si je peux venir à l'église. Quel est ce genre de vie? Tu es en train de voyager, tu vas prendre le TGV. C'est quoi l'assurance que tu as que le TGV va quitter et jusqu'à Londres? Mais recommande ta vie, recommande ta vie, ton voyage entre les Seigneurs. Mais c'est quelqu'un qui est dans le combat spirituel, je renverse. Quand il voit tellement, oh ça, ça serait l'esprit des eaux, l'esprit des eaux. Dès qu'il y a crocodile, esprit des eaux. Qui vous a appris ça? C'est dès qu'il y a serpent, esprit des eaux. Alors que tu peux rester à genoux, demander à Dieu, Seigneur, je veux que tu me délivres. Les enfants, la fille de Jairus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Jésus, il dit non, sauve mon enfant. Amen. Tu peux aller voir, Seigneur, délivre mon enfant. Seigneur, je veux que tu guérisses mon enfant. Seigneur, je veux telle situation. Attends, n'allez pas compliquer la vie si tu ne sais pas l'enverser. N'allez pas te compliquer. Attends, tu vas faire des prières. Des fois, faire des prières qui ne sont pas à votre niveau. Voilà pourquoi tu as commencé à faire des prières, des comas là. On te dit des choses bizarres. Tu ne vérifies même pas dans la prière. Oh, on va rentrer ton quota. Ton quota. Yo, quota au bima. On va rentrer dans les cimetières. On va rentrer dans les cimetières. Toi, tu rentres, on va rentrer. Parce que tu es en train d'écouter tout le monde. Tu rentres dans la cimetière. Est-ce que tu étais sorti? C'est dangereux. Amen, amen. Très dangereux. Fais attention. Amen, amen. Fais attention. Le diable, il sait maintenant que où avoir les enfants de Dieu. Il sait dans quel domaine. Il sait que nous touche maintenant les choses. Ils aiment ça. Je vous dis que les enfants de Dieu aiment ça. Le prier, le combat. Répétez. Après, on vient de tourner le routine. Nous rentrons dans les cimetières. Je rentre.
Tu fais la cérémonie, mais attention, il regarde là-bas. Je rentre. Attends, il vient faire ta voix facilement. Fais attention. Amen. Tu sais, il y a une chose que je comprends. Si tu n'es pas sûr de Christ, de la vie de Christ en toi, il ne faut pas faire le pied de Christ. Retiens ça. Si tu mènes une vie de niamou-niam, une vie de serpent, n'ose pas. Amen. Parce qu'ils vont te tabasser contre le feu. Mais regarde, acte 9, hein. Le Saint-Christ ne se va. Ils ont tabassé. Hein. On va renverser les hôtels sataniques. Les hôtels sataniques. Attends, toi-même, tu es encore dans cet hôtel-là. Dieu soit loué que nous étions sortis depuis le temps. Mais il ne faut pas rentrer dans ces genres de choses. Quelqu'un qui va. J'ai dit ça à quelqu'un, j'ai dit, sors de ces combats. Sors de ça. Hein. Attends, toi, tu as des combats. Et quelqu'un m'a dit, non, ma soeur, accompagne-moi dans la prière. Quel genre de prière? Non, je vais renverser parce que son mari, tu vois bien qu'il y a des gris là-dedans. Ah! Il faut arrêter, il faut arrêter. Après, c'est nous qui allons prendre les relais après. Ben ouais, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Fais-toi des prières seules. La Bible, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru à mon âge. Tu chasses l'esprit. L'esprit qui tourmente les enfants. L'esprit qui fait que mes enfants ne résistent pas. Au nom de Jésus, vous chassez. C'est nous que le Saint-Esprit va te conduire. Mais si le Saint-Esprit te donne l'image que l'enfant est enfermé quelque part. Seigneur, sors. Père, libère tes anges. Libère ton ange de les envoyer. Amen. Moi, papa, moi, dans quoi t'as dit. Envoie tout ce fort ton ange d'aller libérer. Amen. T'as dit vrai. Parce que toi, tu sais que je ne suis pas sûr que dans quoi t'as dit. Amen. Acclame les amis.